Alors, la Lys est un atout majeur pour la ville de Nieppe, un atout touristique, bien sûr, puisqu'elle traverse la ville. Mais je crois aussi que c'est un atout parce que maintenant, on peut aller de Gand à Aire-sur-la-Lys, ce qui permet aux promeneurs, à ceux qui pratiquent le vélo, mais aussi ceux qui pratiquent la plaisance, eh bien, de faire un parcours tout au long de cette Lys. Ceux qui se promènent ici sur le chemin, eh bien, ce sont bien sûr les Niépois, bien évidemment, mais comme on est proche d'Armentières, c'est aussi les Armentirois et toute la métropole de Lille qui passe par ici, mais également des Belges, puisqu'on est aux frontières de la Belgique, et des Hollandais, et notamment dans le cadre de la plaisance. Alors, effectivement, ici, nous avons aménagé un ponton qui permet, d'accord, à la plaisance de s'arrêter. Et nous sommes sur le chemin de halage, donc qui permet au vélo, aux promeneurs de s'arrêter ici sur Nieppe pour découvrir le village de Nieppe, puisque nous avons créé ici un chemin qui s'appelle Ip-Lei. Ip, c'est Orme, c'est l'origine du mot Nieppe, et Lei, c'est la Lys. Donc à partir d'ici, on peut aller au travers des villes, des rues de la ville de Nieppe. Alors pour 2021, voilà le vœu que je formule, c'est que sans cette période un peu difficile qui nous empêche de bouger, eh bien que finalement nous puissions lutter contre ce virus et qu'on puisse se déplacer de telle manière à profiter de cette nature.